Allez, maman, dépêche, on va être en retard. Eh oh, du calme, le match commence dans une heure. Oui, mais Tristan a dit qu'il arriverait en avance. Voilà, j'espère que Super Chevel va gagner, hein. Pas moi. Bah, comment ça, pas toi? Tu veux que Richard perde? Ben, en fait, s'il gagne, il va sans doute rester avec Ludmilla. Donc, je préfère qu'il perde, quoi. Évidemment, vu comme ça. Ben, ça alors. Il n'y a pas un chat. Il ne reste même pas un vendeur. Ils sont tous partis au match. Comment on fait pour payer? Ben, je peux vous encaisser si vous avez la monnaie. Ah, vous voilà, venez vite mes petites poules, j'ai vos panoplies HS. C'est quoi HS? Hyper Super Chevel, c'est comme ça que s'appelle le club des supporters. Vous voulez un bon patatogne? C'est une spécialité locale, pommes de terre frites avec des oignons dans de l'huile de corne de bouquetin. Plus tard, merci, j'ai mes bretzels. Hello, elle est où? Tu comptes rester habillée comme ça? Ben oui, pourquoi? Dis donc, ici on n'est pas chez les gros idiots de Super Chevel. Non, ici c'est la tribune de l'ENAZ en force. Non mais dites donc, vous deux là, l'esprit sportif, vous connaissez? Tolérance, générosité, ouverture d'esprit, apparemment c'est du chinois pour vous. Le sport doit bannir la haine des cœurs, il doit rapprocher les peuples dans le respect mutuel de leurs différences, ça vous dit rien ça? Bon, ça va, tu peux rester. Merci. Non mais... Super Chevel, je vous souhaite la bienvenue dans notre stade municipal. Cette année, le match intervallée opposera l'équipe de Val d'Ennaz à l'équipe de Super Chevel. Je vous rappelle que le match est retransmis en direct sur Choucas TV, notre chaîne locale, et commenté par Ruggiero La Paz, champion du monde de curling en 1978. Merci Nicole, et tout d'abord une page de publicité. Par chez nous, le gilet en peau de mouton, ça se porte de père en fils. Gilet Sopatec, mouton de père en fils. Et maintenant, place aux joueurs. Et comme de peu d'usage, les capitaines vont s'adresser quelques injures en patois local. Muflas. Bousignette. Cramouflas. Pintouze. Oh, il semblerait que Richard soit sous l'emprise d'un fameux Dian-Dian. Quelle fureur! Ça nous promet un bien beau match. Attention, ça commence. Et pour ceux qui ne comprennent rien au curling, comme ma grand-mère, rappelons que c'est un peu comme de la pétanque, sans le bruit assourdissant des cigales. Mais voilà que Jean-Pierre de Val d'Ennaz s'apprête à lancer. Et ça commence très fort pour Val d'Ennaz. Voyons tout de suite la réaction de Super Chevel. Oh oui, c'est beau comme un coucher de soleil au crépuscule. Super, super, super Chevel. Super Chevel a nettement pris la tête et l'avantage et s'apprête de nouveau à lancer. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Super Chevel n'a pas de remplaçant. Or, le règlement est très strict. L'équipe de Richard devra donc se contenter d'un seul frotteur. Très joli lancer de Val d'Ennaz. C'est maintenant au tour de Super Chevel. Ah,
cruellement ressentir. Et les nazes reprend l'avantage. Les nazes, les nazes, on vous écrase. Les nazes, les nazes, on vous écrase. Les nazes. Bah qu'est-ce qu'elle a? Peut-être bien que c'est une mauvaise perdante. La situation se dégrade pour Super Chevelle. Il faut bien dire que Valdenaz est à présent loin, devant eux, qui sont derrière. Encore un magnifique lancé pour l'équipe de Valdenaz qui décidément va être très difficile à battre ce soir. Dis donc, c'est quoi ce manège? C'est pas un manège, joue correctement et t'auras un sourire toi aussi. Le sort de la partie semble hélas presque scellé. Richard, attends, je vous présente, comment vous vous appelez? Honoré. Honoré est un expert en ballet. Ah, ça c'est vrai, surtout le ballet boss, avec ou sans serpillière. Pas question, on fait un match, pas le ménage. C'est moi le capitaine de cette équipe, on le prend. Merci capitaine. Attendez, j'ai l'impression que Super Chevelle vient d'engager un nouveau joueur. Maintenant. Remarquable frotteur! Quel as du manche! Quel roi du ballet! Quel retournement de situation! C'est renversant! Super Chevelle a maintenant repris l'avantage! Oh! On dirait qu'un remaniement est en cours du côté de Valdenaz! Incroyable! Jean-Pierre fait entrer un joueur de classe internationale, une star du curling. J'ai nommé le grand Johnson, Killing Joe Johnson, alias le prince de la Jamaïque. Je me demande bien comment une aussi petite équipe a fait pour se payer un joueur de ce rang. J'ai pris un crédit sur 30 ans. Oh. Spectaculaire! Valdenaz a repris l'avantage alors que Super Chevelle n'a plus que deux pierres à lancer. Pour que Richard fasse basculer le score en sa faveur, il faudrait maintenant qu'il réussisse le lancer de la véritable démence. Cette figure mythique a été tentée de nombreuses fois depuis l'invention du curling, mais personne ne l'a jamais réussi. Mais on dirait bien que Richard va se lancer. Quel exploit fantastique ce serait! C'est incroyablement fabuleux, c'est en perdre la tête. Regardez-les, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, hein? Oui, c'est vrai. Le score est maintenant à égalité. Richard n'a plus qu'une pierre à lancer. Mais puisqu'il vient d'écarter toutes les pierres adverses, ce n'est qu'une formalité à remplir. Et voilà. Hey, coucou.
Coucou, ça y est, tu vas fêter ta victoire avec Lunmila. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec elle. Mais je n'ai pas du tout envie d'être avec elle. Et en plus, comme les vacances sont finies, eh bien, je vais rentrer en ville avec Lou et toi. Mec, comment t'as pu faire ça, hein? Comment t'as pu rater ce point décisif et trop facile en plus? Super Chevelle a perdu la coupe et moi j'ai perdu la face. Tristan et moi, c'est terminé et tout ça, c'est à cause de toi. Revenez quand vous voulez. Merci. Bye bye, bye. À bientôt. Alors là, moi je suis pas prête de revenir, hein. Je déteste les sports d'hiver. Hey. Salut. Je crois que j'ai été un peu ridicule hier pendant le match. Ben, pas autant que moi. Ça doit être la faute au Dian-Dian. Oui, on va dire ça, oui. Dis, on pourrait passer le reste du voyage ensemble. Enfin, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ben, écoute, j'ai beau chercher, je vois pas d'inconvénient là. Non, pas un seul. Non, pas du tout. C'est que je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou deux, ou même trois, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Trichard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films, tu vois? Non, on ne doit pas regarder les mêmes films. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette voix mielleuse ridicule? Je te préviens qu'avec moi, ça ne marche pas, ce genre de comportement hypocrite. Maman, tu es où? Devant la gare de ton ignoble ville polluée. Et laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un bâtiment aussi laid. Alerte rouge, mamie débarque dans une demi-heure. Faut tout ranger. Oui, mais surtout, il ne faut pas qu'elle voie Richard. Ah bon? Mais pourquoi? Si vous osez mettre un pied chez moi, j'appelle le garde champêtre. Des fleurs. Vous vous croyez déjà à mon enterrement? C'est quoi cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps, elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures. Impossible. J'ai rendez-vous à 14 heures au parc avec Tristan. Ok, on dit 14 heures alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûre que le champ est libre. Ok? Bien, ok. Donnez-moi ça, espèce d'empoté. Hé, mamie!
toujours aussi mauvais dans ce quartier. Eh bien, reste pas planté là, laisse-moi donc passer. Ben, c'est que... on ne va pas à la maison. Comment ça? Maman est partie à un rendez-vous de boulot, alors j'en ai profité pour nous établir un super programme. Oui, bah d'abord, je monte ma valise. Je ne vais pas la prendre avec moi avec tous ces délinquants qui se promènent. Laisse, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans, des dictionnaires? Ben oui, pour mes mots croisés. Je crois que je vais la laisser chez la concierge. Je reviens. Ouais, il y a un truc pas clair au niveau du siphon. Mais va falloir tout démonter. Ok, mais avant, si on prenait un bon petit déjeuner tous les deux, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Pas d'accord. Une fuite, ça peut être très grave. Il faut que je m'y mette tout de suite. Je vais chercher mes outils. J'ai prévu d'aller au cinéma. Il passe à Luman, à l'Alhambra, vers 10h. À Luman? Qu'est-ce que c'est que ça? Un super-héros. Un homme rien qu'en aluminium brossé. Pas question que j'aille voir ce film. C'est sûrement encore une de ces cochonneries pleines de violence. Donne-moi ça. Il ne joue pas plutôt un bon vieux classique de Café d'épée? Tiens, voilà la marquise dégueu avec John Swamp. Madame la marquise, vous m'envoyez navrée. Et ma triste condition de bourreau m'oblige à vous torturer. Ah, à force de faire la coquette, elle l'a pas volée. Je sais que vous ne faites que votre travail, Fernando. Mais apprenez que jamais je n'avouerai où se trouve la cachette de Geoffrey, le prince des gueux. Non, mais quelle cruche avec son Geoffrey. Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous faire vos commentaires un tout petit peu moins fort, s'il vous plaît? De quoi je me mêle, espèce de binoclard? Non, mais dites donc, restez poli. Un problème, madame? Oui, ce sauvageon m'empêche de regarder le film tranquillement. Quoi? Mais... non, mais c'est vous! Vous n'arrêtez pas de... Monsieur, voulez-vous bien me suivre sans faire d'histoire? Laissez, mademoiselle! C'est nous qui allons sortir! Ce cinéma est trop mal famé, j'ai peur qu'il ne m'arrive encore d'autres bricoles! Attends! Il est trop tôt pour rentrer, il n'est que 10h30! Et alors? Et alors, notre super matinée ne fait que commencer! Et si on allait au centre commercial? C'est les soldes! Il y a des îlotiers? Ben oui, enfin, il y a des sortes de vigiles, quoi! Alors d'accord! Il va falloir que je creuse pour mettre un pansement. T'es sûr? Parce que bon, c'était une mini-fuite en fait. Perceuse. Je suis vraiment contente que tu sois ici ce matin avec moi. Parce que tu sais, tu es... enfin, je te trouve vraiment adorable, aimable, embrassable. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Alors, résumons-nous. T'aimes pas les fringues parce que la mode actuelle est ridicule, tu détestes les parfumeries à cause de la mauvaise odeur, et tu trouves que les magasins de disques ne vendent que de la musique d'épileptique? Franchement, mamie, est-ce qu'il y a une seule boutique ici qui trouve grâce à tes yeux? Une seule, oui. Celle-là. Caput, spécialiste européen de l'extermination des nuisibles. Enfin, un magasin digne de ce nom, hein? Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'anéantissement des termites, l'extinction des rats ou l'apocalypse des cafards? La destruction des taupes. Je vois. Aïe, boost book. Clé de 12. Et voilà. Évidemment, elle est trop grosse. Tournevis. Non, pas un plat, un cruciforme. Tu veux pas faire une pause, dis? J'ai acheté de bons sandwichs. Non, pas question. Tant que je n'aurai pas réparé ce bon sang de tuyau, je pourrai rien avaler. Le Stop Taupe Premium est à 96 €. C'est pas donné, mais il a été élu piège de l'année dans Taupe Mag. C'est hors de prix. Vous devriez avoir honte de vous engraisser sur le dos des pauvres gens. Je ne vous salue pas, monsieur. Attends. Ah, c'est pas vrai! Foutu matériel! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Une pause. Dis, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à autre chose qu'à cette satanée fuite? Il me semble que c'est pour ça que tu m'as appelé, non? Oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh,
faudrait savoir ce que tu veux. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause, moi aussi. Des quoi? Des choux de Bruxelles. Vous ne savez pas ce que c'est? Si, mais j'ai... Mais pas dans mes kebabs. Ben, vous avez tort. Vous venez de perdre une cliente, en tout cas. Allô? Non, c'est raté. Richard est reparti. Oh, je t'expliquerai. Oui, oui, tu peux m'envoyer mamie. Je n'ai besoin de personne. Je vais la réparer toute seule, cette ridicule fuite d'eau, ok? J'ai faim. Dans cette ville, on affame les personnes âgées. C'est intolérable. Rentre manger à la maison si tu veux. Moi, je vais me balader au parc. Je t'accompagne. Une promenade digestive me fera le plus grand bien. Mais, mamie, t'as rien mangé? Dis donc, faudrait voir à pas me contredire toutes les deux minutes, hein? Oh, au secours! Ça coule toujours? Quoi? Tu peux peut-être trouver de quoi manger à la buvette? C'est ça, pour dépenser des fortunes et avaler des cochonneries surgelées? Non, merci! Attends! Prête pour la balade? Tristan, je te présente ma grand-mère. Bonjour, madame. Eh, dis donc, mon garçon, c'est quoi cet accoutrement de voyou? Je t'interdis de fréquenter ma petite fille! Je vais vous laisser vous balader toutes les deux. À la prochaine! Salut, Lou! Tristan, attends-moi! Et voilà, encore une fois, on m'abandonne. Ah, triste monde! Je m'excuse de m'être emporté, mais quand je bricole, je deviens carrément imbuvable. J'avais remarqué. Et puis moi, en fait, tu sais, je m'en fiche un peu de cette fuite, tu vois. Oh. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ce satyre hirsute dans ta salle de bain? Richard, je te présente ma mère. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Je file. Bon vent. Et inutile de retenir. Ma fille ne veut plus vous voir. C'est pas vrai. Una pizza au chou de Bruxelles? Madre mia, je vais la faire. Mais uniquement parce que c'est vous. Au fait, elle t'a dit combien de temps elle restait? Malheureusement, non. Bouti, bouti, bouti. Ce qu'il est laid, ce greffier, et il sent mauvais. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ce parasite. Je vous signale que j'ai réussi à réparer votre fuite, contrairement au pervers d'en face. Même pas capable de changer un joint de robinet. Wow. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pizza au chou de Bruxelles. Tu vas adorer. Ça m'étonnerait. Le chou de Bruxelles devient infect quand on le prépare avec de la tomate. Oh, quelle journée, mes aïeux!
part à la montagne avec Richard. Et Tristan passe ses vacances dans une station juste à côté de la nôtre. Du coup, on prend le même train et ça, c'est hyper chouette. Bon, ce qui est moins chouette, c'est qu'avant de partir, on doit attraper la flaque. Enfin, un chat choumou. Ou Mongo Elvis, quoi. Ou tir au flanc, si vous préférez. Enfin bref, on a un fauve à mettre en cage. Heureusement, on a tout prévu. Alors, Richard? Notre taxi est arrivé. On descend. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une histoire de pot de fleurs. Bon, on a 10 minutes pour arriver à la gare. Quoi? Tristan doit déjà m'attendre. Si je rate ce train, je préfère que mon âme se consume dans le magma du désespoir et que mes cendres se perdent au milieu de la poussière noire de l'oubli éternel. Pas de panique, ma louloute. 10 minutes, on est large. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce train couchette. Il desservira les gares de Charogne, Boulay-Vaches, Montréal-les-Ballots, Saint-Léon-des-Bois, Morninge, Mignon-Val-des-Naves et Sellières-Superchevelle. Allez, ma louloute, fais pas la tête, quoi. Le train de nuit, c'est sympa aussi, non? Pour toi, évidemment, tu vas passer une nuit de rêve avec Richard. Bon, ben, je vais téléphoner à Tristan. Ensuite, je pourrai déprimer jusqu'à notre arrivée à Superchevelle. Oh, l'amour! Allô, Tristan, c'est Lou, j'ai un truc à te dire. Moi aussi, figure-toi que j'ai loupé notre train. Non. Ben si, à cause d'une histoire de pot de fleurs. Tu devineras jamais où je suis. Dans un train couchette qui va à 2 à l'heure. Comment t'as deviné? Je te raconterai. Quoi, tu y es toi aussi? Oui, on se retrouve. Ben oui, je suis dans un wagon de tête, je remonte le train à ta rencontre. Allez, la flaque, tu as bien mérité de faire un petit tour. Oula. Non, qu'est-ce que... On dirait qu'il t'adore. Il est pas Mimi, ce chat? Mimi? Avec ses dents pointues et ses griffes acérées? T'aurais pas un problème avec les chats, toi? Ben, c'est juste que... Comment dire? Je les déteste, quoi. Moi aussi, je les détestais. Avant de rencontrer Chat Choumou. Je croyais qu'il s'appelait la flaque. Bah, en fait, il n'a pas de vrai nom. Mais tu vas voir, après une nuit passée ensemble, vous serez les meilleurs amis du monde. Oh! Billet, s'il vous plaît. Chat Choumou! Ne me dis pas que je vais devoir courir après mon futur meilleur ami. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Tu veux pas le redire encore une fois? Ça me donne des frissons partout. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Oui. Là, on va se retrouver et ensuite, je vais vivre le voyage le plus romantique depuis le naufrage du Titanic. Jeune homme, vous tombez à pic, vous savez vous servir de vos pouces. Tu vois, la montagne te porte chance, la montagne, c'est magique. Tâche de ne pas faire un truc à la loupe, genre croiser Tristan sans le voir. Oh, t'exagères toi. Comment peut-on se rater dans un train? Allez, ciao. C'est ce bouton pour avancer et celui-là pour donner des coups de pied. Non, pas celui-là. Et voilà, vous avez pris une enclume sur la tête. Oh, ils sont agaçants, ces petits personnages. Oh, zut. Bon, on refait une partie, hein? Je sens que ça vient. Désolé, mais il faut que j'y aille. Minou, chérie. Minou, Minou, Minou. Bonsoir, madame. Tout va bien? Aïe. Tristan, salut. Dis, t'aurais pas vu mon chat par hasard? Il est comment? Ben, il a des pattes, une tête et une queue. Non, désolé.
Et vous, vous auriez pas vu Lou par hasard? Non. Bon bah merci quand même. Mais elle ne doit pas être bien loin. Oh non, j'y crois pas, je l'ai raté. Mina va encore se moquer de moi. Lou! Puis Solène! Chachou machin. Mongolo. Sac à puce ou. Sac à puce. Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Charogne. Charogne, 2 minutes d'arrêt. Oh, bon sang. Mais il est où cette espèce de. Oh! Allez, le chat, viens. Minou, minou, minou. Il paraît que la prof de gym s'est dû refaire les paupières. Du coup, elle peut plus cligner des yeux sans que ça fasse remonter ses oreilles, tu te rends compte? Dingue. Dis, tu descends pas à Charogne par hasard? Non, je vais à Morninges. On a toute la nuit pour papoter. Génial, hein? Génial. Minou, minou, minou. Je t'ai eu. Attention, la police, je déborde, attention, déborde. Hé! Richard? Richard, tu as le chat? Oui. Oui, mais il y a un petit imprévu. Je vais t'expliquer. Au fait, tu sais qui part au ski aussi? Tristan! Non! Si, comme je te le dis, si ça se trouve, il est dans ce train lui aussi! Alors là, ça m'étonnerait! T'imagines le voyage de rêve, une nuit entière avec Tristan? C'est qui? Personne! Lou? Bah, c'est Tristan. On a dû se rater. Alors, je retourne dans mon compartiment. À plus. Alors, je vais essayer de rattraper le train à vos les vaches. Oui, le chat va bien. À plus. Oui, à 25 ans, mon tracteur, mais il tire encore bien, hein? Oui. Il va pas plus vite que ça. Oh, bah si. Attendez que je passe la seconde. Accrochez-vous. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Je te trouve vachement secrète comme fille. C'est vrai, quoi? Tu racontes jamais rien sur toi. Vite! Par ici, dépêche! Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. En fait, je voulais te confier un super secret, justement. Un secret? C'est quoi? Allez, dis-moi, c'est quoi? C'est que... ben voilà, mon dessert préféré, c'est l'éclair au chocolat. Tu me prends pour une nouille? Mais pas du tout. C'est ça. Tu sais quoi? Ton super secret, il me donne envie de dormir. Bon, les vaches, 2 minutes d'arrêt. Waouh, mais ton voiture, voilà. Je vais te faire des saletés de chiennerie. Cousine, t'es où? Il y a encore un petit imprévu, à mon avis. Je vais plutôt vous rejoindre demain matin à la gare de Morninges. Bonne nuit. Ok. Ben, à demain, alors. Bonne nuit. Hé, hey, Tristan, c'est moi. T'es où? Bah, je vais me coucher. Désolé, mais je suis crevé, là. Et puis, je veux être en forme pour attaquer le ski dès demain. Je comprends. Bon, ben, bonne nuit, alors. Alors, ma louloute? Bah, t'es pas avec Tristan? Non, il est... c'est compliqué. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il est... c'est compliqué aussi. Tu parles d'une nuit de rêve. Comme tu dis. Hier soir, je suis tombé dans le fumier.
c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Morneige, morneige, 10 minutes d'arrêt. Tristan! Monsieur, la porte est bloquée. C'est fait exprès. Les premières voitures vont à Pignon-Val-des-Nazes, les dernières vont à Sellières-Super-Chevel. Et là, ben, c'est pile la séparation. Quoi? Mais... Tristan... Le chat? Mais alors... Hé! Richard! Tout va bien? Nickel, t'avais raison. Maintenant, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Tristan ? Dis, tu vois ce que je vois ? Oui. C'est beau, hein ? Moi, ça me donne la pêche d'un seul coup. Tu m'étonnes, moi aussi. C'est peut-être vrai, alors ? Quoi ? Que la montagne, c'est magique. La montagne, c'est trop génial. Et en plus, j'aime bien le ski. Ah si, si, je vous jure. En fait, comment dire, c'est plutôt le ski qui ne m'aime pas, quoi. Le problème, c'est que moi, j'aime Tristan, qui aime le ski, qui ne m'aime pas. Vous suivez? Bref, pour réussir à passer du temps avec Tristan, j'ai eu une super idée. Tu vas donner rendez-vous à Tristan en haut des pistes? Ben oui, quand il verra à quel point je suis nulle, il aura forcément envie de m'aider à rejoindre le bas de la station. Et comme je suis la pire skieuse de Super Chevel, ça va prendre des heures. Des heures avec Tristan. Ouais, enfin, si vous arrivez à vous trouver. Alors ça, t'en fais pas, il pourra pas me rater. Chachoumou, je suis désolée, il est très carpette comme chat d'habitude. Oh, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave, ce sont juste de vieux souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce sport déjà? Une sorte de pétanque, non? Non, c'est du curling. Richard était champion de curling, vous ne le saviez pas? Non. Il était même le capitaine de l'équipe de Super Chevel. Grâce à lui, la ville a remporté la coupe Intervallée pendant des années, jusqu'à ce qu'il arrête complètement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de pression. Il a craqué en pleine finale. Il est parti avant le dernier lancer et depuis, il n'a jamais remis les pieds sur une piste de curling. Vous croyez que pour le fun, Richard me ferait une petite démonstration? Pas question. Ah, ça, désolé, mais ça ne va pas être possible. Le curling, c'est du passé. Le petit déjeuner est prêt. Prenez donc une autre tartine. Merci beaucoup. Bon, ben, j'y vais. À plus. Tu vas où, ma louloute? On devait faire un bonhomme de neige avec Richard. Oui, mais c'est que là, en fait, j'ai rendez-vous avec, avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne s'appellerait pas Tristan, par hasard. Oh, les vaches! Oh, les vaches! Tiens, Richard, lis ça.
c'est comme ça. Jean-Pierre de Valdenaz a déclaré « L'équipe de Super Chevel est nulle, Richard est revenu, ça ne change rien. La coupe intervallée n'est pas prête de quitter Valdenaz. Quand on lâche le curling pour des poèmes italiens, c'est qu'on a de la mozzarella dans les biceps. » C'est qui ce Jean-Pierre? Le capitaine de l'équipe de curling de Valdenaz. Il a toujours perdu face à Richard. Là, il lui a clairement lancé un défi. Il peut toujours attendre. Richard ne veut plus jouer au curling. Sauf qu'après une provocation pareille, il a sûrement le dian-dian. Le... il a le quoi? Le dian-dian. La fureur des montagnes, quoi. Quand on a le dian-dian, on ne craint rien, ni personne, et ça donne une force physique surhumaine. Ce phénomène arrive aussi aux bergers qui restent trop longtemps dans les alpages. Quand Richard jouait au curling, il avait toujours le dian-dian. C'est pour ça qu'il ne perdait jamais. Alors, celle-là, je l'ai prise il y a longtemps, cachée dans une poubelle. Formidable! Enfin bon, le problème, c'est qu'il y a une peau de banane devant l'objectif, alors vous pouvez pas bien voir. Mais Tristan, en vrai, il est super beau, hein! Là, c'est un SMS qu'il m'a envoyé. Il a écrit « Je suis en train d'acheter du pain ». Super cool! Là, c'est encore lui, enfin son pied en fait, j'étais émue, alors j'ai un peu mal cadré. Là, c'est une photo de ses rideaux. Et là, ben... oh non, zut! Oh, plus de batterie! Ce n'est pas grave! On est arrivé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien qu'une petite panne. Ça dure rarement plus de 10 minutes. 10 minutes? Mais c'est maintenant que j'ai rendez-vous, moi. Vous savez, Richard a failli participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Tout le monde l'adorait à cette époque, surtout Ludmilla. Ah, ça, il formait une sacrée équipe. Vous voulez dire que Ludmilla jouait au curling avec Richard? La Ludmilla, son ex-fiancé? Oui, merci René. L'équipe est reformée, ils reprennent l'entraînement. Avec un peu de chance, ça va rapprocher Richard et Ludmilla. Viens à moi, Prince Fulgor. Tu m'appartiens, tu le sais. J'arrive, mon adoré, mon amour. Nous allons nous marier et jouer au curling jusqu'à la prochaine ère glaciaire. Non ! Prince Fulgor ! Ne l'écoutez pas. Elle est complètement givrée. Alors là, je dis non. Oh. Bonjour, Richard est là? Richard? Vous voulez parler du grand Richard, l'as du curling? Ah. Richard, j'y crois pas, tu reprends du service? L'heure de la revanche a sonné, mon petit Jackie. On va tondre ces nazes de Valdenaz. Ah, c'est pas vrai. Hey, il faut absolument l'empêcher de reprendre l'entraînement. Il a le dian-dian. On peut rien faire. Bonne chance avec Christian. Pas Christian, Tristan. Formidable. Allez. Comme dit Mina, la peur grossit les obstacles. Après tout, c'est qu'une petite piste bleue de rien du tout. Besoin d'un coup de main? Tout va bien, merci. Je prends le temps de profiter de la vue. Formidable! Hello. Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, t'as plus de batterie? Sinon, j'ai un truc à te dire et c'est très important! J'arrive! J'ai entretenu la piste tous les jours, je savais que tu reviendrais! Désolé, Richard, je vais effacer ce score tout de suite. Non, laisse, Jackie. Ça va nous motiver. On a perdu le dernier match à cause de moi, mais cette fois, je ne vous laisserai pas tomber. Ici Frog, si pique, ouais!
déteste le ski, je déteste la neige et la montagne, je hais les vacances. Devant, chauffe, chauffe. René, continue. Mira, maintenant. Yes. Faut envoyer la pierre près du centre de la grosse cible, c'est ça? Oui, ça demande force, endurance et précision. Un sport de prince. Tu parles de la pétanque avec un balai, quoi. Un truc de blaireau. La bougneuse. Oh! Je hais carrément ce sport. Attention! Ça va ou bien? Ça va, ça va. Dites... Vous n'auriez pas vu... Un garçon brun qui a une copine qui s'appelle Lou, peut-être. Oui, et Lou, c'est moi. J'avais deviné. Il a laissé un message pour toi. Rendez-vous à la piste noire. C'est par là. T'es chanceuse, y a pas la queue. Devant. Chauffe. Chauffe. Quand je pense que ce matin, Richard ne voulait plus entendre parler de curling. Ouais! Ouais, Ludmilla, elle sait y faire, elle! Hein? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ne le dites à personne, mais c'est elle qui a informé Jean-Pierre que Richard était revenu. Comment vous savez ça? Comme on dit par chez nous, les marmottes papotent. Quoi? C'est grâce à elle qu'il a le dian-dian. Et là, qu'est-ce que vous faites? La pierre! Ah! Oh, quelle poisse! Tristan? Hé, Lou! Viens vite! La neige est hyper bonne! Ok, j'arrive! Sûrement en plusieurs morceaux, mais j'arrive. Allez, comme dit Mina, Banza! Waouh, c'est du ski acrobatique? C'est quoi toutes ces figures? Ben, rien. C'était une improvisation de la pauvre Lou qui ne sait pas skier. Tu sais pas skier? Mais fallait pas prendre la piste noire, t'es dingue. Bon, ben, j'espère que demain, la bosse aura disparu. Je suis désolée, Richard. Je sais pas ce qui m'a pris, vraiment. J'ai senti comme une colère, une fureur, un truc dingue. C'est le dian-dian. Ah, et comment on fait pour que ça passe? Rien. Faut se calmer et respirer. Ah bah oui, tiens, ça va mieux. Tu peux retourner à ton entraînement de curling, je ne t'embêterai plus. Non, tu sais, j'ai tout annulé finalement et maintenant, moi aussi, ça va mieux. Bon, et si on le faisait, ce bonhomme de neige? Bon, alors, c'est vers où, Super Chevelle? Par là. Je me demande comment je vais y aller, sur le dos ou sur le ventre? Ni l'un, ni l'autre. Je vais descendre avec toi. Allez, viens. Voilà, bien. Comme ça, je vais t'aider à contrôler ta trajectoire. Contrôler? Je suis prête. Allez, c'est parti, on y va, tout doucement. Formidable!
Cher journal, ma mère et moi, on a un petit problème. Quand il s'agit d'avouer nos sentiments aux hommes qu'on aime, eh ben, y a plus personne. On grenouille comme des idiotes, on accumule les gaffes, ou on se débrouille pour se retrouver dans des situations complètement stupides. Mais il faut faire face, hein. On va pas rester vieille fille toute notre vie. Ce serait super glauque. Là, on se retrouve dans une situation propice aux déclarations d'amour. Un plan montagne chez les parents de Richard, un voisin dont ma mère est plus ou moins tombée amoureuse. Dans une station juste à côté de celle où Tristan, le garçon le plus craquant du monde, passe ses vacances. Va falloir assurer. Alors, qu'est-ce que tu penses de Super Chevelle ? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou, juste pour te dire que je suis bien arrivée. T'as qu'à me rappeler pour qu'on se voit, hein, rapidement. Enfin, si tu veux, ou si tu peux, enfin bref. Allez, à plus. Maman. Oh, mon chéri, comme ça nous fait plaisir de te voir. Mon père. Vous pouvez m'appeler Didier. Bonjour. Enchanté. Oh, Gigi. Ma mère, qui est aussi mère de Super Chevelle. Bonjour, madame. Vous pouvez m'appeler Nicole. D'accord, Nicole. Et Pepo, mon neveu. Hey, vous pouvez m'appeler Pepo. Bah oui, Richard vient de le dire. C'était pour rire. Et voici une copine. Enfin, ma voisine. Une copine, quoi. Et Lou, sa fille. Bienvenue à la montagne. Richard, on a une petite surprise pour toi. Ludmilla. Salut, trésor. Hein? Ludmilla, je... Rien de cassé, mais c'est quand même une bonne entorse. Ta semaine de ski est fichue. Et avec des béquilles, pas facile de bouger. Oh, t'en fais pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'occuper. Je savais pas que t'étais fiancée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu plus... Enfin, un peu moins... Pas la peine de te justifier. Après tout, c'est ton droit de te fiancer. Moi, je ne suis qu'une copine, ta voisine, quoi. Hey, Richard, prêt pour une promenade en amoureux? T'attends un coup de fil de ton amoureux, c'est ça? Ouais. Et il n'appelle pas, c'est ça? Non. Attention, car comme on dit par chez nous, à trop attendre le réveil de la marmotte, on loupe le chamois. Dis, si on allait visiter le village et ses environs, ça te changerait les idées, non? Bof. Allô, Joss, c'est moi. Oh oui, j'ai fait une horrible découverte. Le Yeti habite Super Chevelle et il veut t'épouser? Pire, Richard a une fiancée. Aïe. Blonde, opulente, super canon. Aïe, aïe. Et pour couronner le tout, je me suis fait une entorse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Statistiquement, une boiteuse ne peut rien faire face à ce type d'arme de séduction massive. Hé, hey, dis, c'est encore loin. Ça y est, on est arrivé. Regarde. Alors? Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Là, à gauche, c'est le col du Bouzingue. Plus haut, c'est le pic de la Grande Frousse. Et à droite, là, c'est la vallée du Haut-Pavouze. C'est magnifique comme coin, hein? Mina? Alors, quoi de neuf? Bof, Richard a une fiancée, maman s'est fait une entorse et par-dessus le marché... Tristan m'a toujours pas appelé. Ça, on va le savoir. T'es avec quelqu'un? C'est qui? Oh, personne. «
La planète Bac à glace était battue par un vent de 478 km/h. Crevasse, la terrible reine blanche, avait enfin réussi à mettre la main sur l'infortuné prince Fulgor. Libérez-moi, Crevasse. Vous me faites froid partout. Laisse-toi faire, petit frisquet. Je vais te faire connaître le côté givré de l'amour. Écoutez, c'est très gentil, mais il se trouve que je suis déjà plus ou moins engagé. Et enfin, je suis amoureux, mais j'ai pas osé lui dire encore. Elle aussi, je crois qu'elle est. Enfin, disons que c'est compliqué. Voilà! Tiens, c'est marrant, ça, c'est justement la fille dont je vous parlais. Et vous lui dites rien, parce qu'elle doit pas savoir que... Enfin, vous voyez, quoi. Par la cosmopeste! Attention, prince Fulgor! Ne regardez pas ses yeux! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Oh, tiens, je me sens bien tout d'un coup. Et voilà, maintenant tu m'appartiens. Alors, prêt pour une promenade en amoureux? Je dis pas non, et on va aller où comme ça? Manger une petite glace? Non! Ah. Et voilà la fameuse croûtiflette, la spécialité du coin. C'est fait avec des croûtes de fromage et des croûtes de pain. Que des trucs que j'aime pas, quoi. Ben, tu veux autre chose? Oui, téléphoner. Entrez. Comment ça va? Impeccable. Tant mieux. Je vous ai apporté ça, ce sont des antiquités, mais elles sont solides. Mon grand-père s'en servait quand il s'est cassé la jambe. Au ski? Non, dans ses escaliers. Merci, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Vous savez où est Richard? Oh, chez Ludmilla, sans doute. Si ça se trouve, il est en train de la demander en mariage, j'espère. Quelle joie ce serait. À nous deux, crevasses. Vous dites? Non, rien. J'adore ce circuit de luge. Quand je le descends, j'ai une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai bonheur. Vous n'avez aucun nouveau message. Pour revenir au menu principal, ça fait un. Bon, allez, ça suffit. Mais... maintenant. Hé hey! Si tu veux ton téléphone, t'as qu'à me suivre. Oh, tu vas le regretter. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Vous savez où habite Ludmilla? La fiancée de Richard. C'est ça, oui. Droit devant vous. Merci. C'était génial. On se la refait. Ok, mais d'abord je voudrais vérifier si j'ai un message. Tu peux me rendre mon portable, s'il te plaît? J'ai dû le perdre pendant la descente. Merci encore, Ludmilla. Oh, ça m'a fait plaisir de te revoir. On a passé un moment super sympa, mais là, il faut que j'y aille. Au revoir. Oh. Désolé. Écoute, je t'aime bien, Ludmilla, mais je ne suis pas amoureux de toi, vraiment pas. En fait, c'est même un peu pour ça que je suis parti de Super Chevel et... Je sais, mes parents t'adorent, on a grandi ensemble, mais... Voilà. Tu te trompes, Richard. C'est moi, la femme de ta vie. Tu t'en apercevras avant la fin des vacances, tu vas voir. Allez, c'est pas si grave. On va trouver un autre moyen pour joindre ton Tristan. Avec
quoi, hein? Des nuages de fumée? Un pigeon voyageur? Oh, c'est lui! C'est mon portable! Oh. Oh. Là! Vite! Ça y est! Allô? Salut, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu vas mieux. Oui, j'ai retrouvé le moral grâce à un garçon formidable. Ah, Tristan? Non, Pepo. Hein? Bon, je te laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire. Ok, à bientôt. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux, merci. Et toi? Et beaucoup mieux aussi. Lou, une petite partie de Krabazouk? C'est un jeu de société de la région. D'accord. C'est Tristan? Oui. Eh, tu sais quoi? On va d'abord se faire une petite partie de Krabazouk. Je le rappellerai après. T'es sûr? Bah oui, j'ai attendu son coup de fil toute la journée, alors il peut bien attendre 5 minutes, hein? Une odeur un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Oui, effectivement. Ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout. Mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant. Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok. J'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux. Les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Oh. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais?
Ah oui, que les hommes qui cuisinent... Bon, j'ai trouvé. Mes foncelles est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi? Maman, tu me casses les pieds. Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien. Solène et moi, on a une de ces faims. Solène est là? Bah oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart. Je viens de terminer le circuit arc-en-ciel. Solène est vachement douée. Sans blague. On va voir ça tout de suite. Tu prends la gagnante, Tristan? Ok. Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis, tu m'écoutes. Hein? Oui, oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas, tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile? On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Yeah! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Ben, un peu, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Ben, oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurm. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien. Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle... elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant à moi! À moi! Ouais. En fait, il est un peu naze, ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y. Non! Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui. Tu as raison, ma louloute. J'y vais. À plus. Hey, salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Schurm, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement, pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial, soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi! Maman, j'hallucine! Qu'est-ce qu'il y a encore?
Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds! Tiens, c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée? Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire. Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser, alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Ben, mamie est au commissariat. Hein? J'arrive! Alors, tu viens jouer? Ben, non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Géronimo !» et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben, y a vraiment pas de quoi être fière. On m'agresse et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est, ces deux-là? Une paire de sauvageons qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon, vous en êtes sûr? Mais elle est où, votre mère, à vous? Ben, justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fugueuses ne louperaient leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non, mais dites donc, vous, rendez-moi mon parapluie, que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener? Vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai gâché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui. Bien fait. Mais maman... Silence! C'est l'heure de mon feuilleton. Père Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant 2 mains gauches. Mais c'est horrible! Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de sandou. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard. Qu'il est mimi. Hé, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien. L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle?
Cher journal, je suis toujours en vacances à Superchevel. Pour tout te dire, je suis vraiment rassurée, hein. Au début, j'imaginais que les gens de la montagne vivaient dans des sortes de grottes, qu'ils étaient plutôt du genre yéti et qui mangeaient des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Mais en fait, non. Superchevel, c'est très mignon et les gens sont gentils et normaux. Même si par contre, ils mangent vraiment des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Même les plus jeunes, comme Pepo, le neveu super sympa de Richard. Bon, à part ça, j'ai rendez-vous avec Tristan en haut des pistes. Le rêve, non? Ben en fait, non. La montagne, c'est beau, plein de neige, mais on y va pour skier. Je suis nulle en ski. C'est bien simple, avec des skis aux pieds, je suis à peu près aussi à l'aise qu'un chat en roller sur de la gelée de framboise. Alors, j'ai essayé, hein. Mais non seulement ça marche pas, mais en plus, ça me donne une dégaine franchement ridicule. Bref, je suis super nulle. J'ai trop peur d'avoir la honte et j'aimerais autant que ça se sache pas trop dans la région. C'était délicieux. Surtout les petits fromages de chèvre, là, sur la paille. Comment vous les appelez ici déjà? Petits fromages de chèvre sur de la paille. Normalement, la paille, on la mange pas. Alors, Lou, tu vas chausser les skis aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tu veux prendre un cours, histoire de te remettre en jambes? Non, pour reprendre contact avec la neige, je préfère me débrouiller toute seule. Ah bon, dommage. J'aurais bien aimé t'accompagner. On aurait passé la journée tous les deux. Désolée, mais j'aime bien skier toute seule, tu vois, zen, détendue, en tête à tête avec la neige, quoi. Oh là là. Coucou, tout va bien? Impec, je m'échauffais un peu, quoi. Ah oui, je vois. Et tu préfères toujours rester seule avec la neige? Ok, bon ben, à plus tard. Krabazouk. Je prends la main. Oh, casse-bouctant, paillé. Je perds 3 croutiflettes. Carte d'Elveis. Au fait, tu as des nouvelles de ton ex-fiancée Ludmilla? Carte avalanche. Non, pas depuis que j'ai rompu avec elle. Krabazouk d'argent. À vrai dire, comme elle a promis de revenir à la charge, je reste sur mes gardes. Case piste noire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu risques? Tu ne la connais pas. C'est une redoutable séductrice. Et moi, j'ai du mal à lui résister, tu vois. Surtout quand elle se met à danser la bossa en parlant le patois du coin. Carte catastrophe. Allô? Ok, pas de problème. Désolé, on a besoin de moi. Je dois faire un remplacement au poste de secours des marmottes. Avant, je faisais partie des secouristes. Ils savent que je suis là. Ah, très bien. Bah vas-y, t'en fais pas pour moi. Même avec ta béquille, tu peux te déplacer dans les petits chemins des environs. Bof, je vais plutôt rester au chalet et lire un bon vieux bouquin. Lou! Eh oh! Lève les yeux! Ah! Besoin d'aide? Non merci, tout va bien. Bouge pas, j'arrive quand même. Il est pas terminé ton échauffement? Ben non, c'est-à-dire que j'ai... La trouille? Oui, pas du tout. T'es sûre? Bon ok, j'ai la trouille. Mais je dois absolument réussir à skier si je veux retrouver Tristan sur les pistes. Comment je vais faire? Et pas de panique, j'ai une solution. Vraiment? Oui. Une méthode qu'on appelle par chez nous le gadinze. Le gadinze? Tu pourrais me l'expliquer? Avec plaisir. Salut! Alors, avec qui je fais qui? Avec moi. Toute la journée. Mesdames et messieurs, restez concentrés, le suspense est à son comble! Si le gardien de l'équipe des Chachoumous arrive à bloquer ce shoot, c'est la victoire! Yeah! Bon, pour commencer, il faut que tu te penches en avant en pliant les genoux. Comme ça? Parfait. Et ensuite? Ensuite, il faut que tu baisses ton bonnet. Mais du coup, je vois plus rien? Exactement! Ah! Ça va pas, t'es dingue? Ben c'est ça, la méthode gadinze. Apprendre à tomber pour ne plus avoir peur de tomber.
Richard, tout va bien? Oui, je suis au poste de secours avec Lune Mila. C'est elle l'autre secouriste de garde aujourd'hui. Je la soupçonne d'avoir tout manigancé. Et est-ce que tout va bien? Pas d'offensive de séduction? Pas pour l'instant, mais je reste sur mes gardes. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, ok, à tout à l'heure. Bonjour, comment on rejoint le poste de secours des marmottes? Ben d'abord faut prendre la benne, et puis de là... Merci. Bah, cette fois j'ai pas du tout eu peur. Extra, tu vas pouvoir essayer sans le bonnet. Vous pourriez me dire où se trouve le poste de secours des marmottes, s'il vous plaît? C'est tout droit. Oh! Oh non! Quelle maladroite! Laisse, je m'en occupe. Un problème, jeune fille? Oui, l'homme que j'aime est coincé dans cette cabane là avec une séductrice en furie. Oula, c'est une urgence alors. Montez, je vous y emmène. Merci, vous me sauvez. Ah, oh, l'amour. Formidable. Vas-y, lance-toi. Ça va? Ça y est, j'ai plus du tout la trouille. Elle est vraiment géniale, ta méthode gadinze. Oui, maintenant tu as un autre problème. Lequel? Il faut que tu arrives à t'arrêter sans tomber. Pas de soucis. Maintenant que j'ai vaincu ma peur... Musique. Tu te souviens? Hein? Pas, pas du tout. En amour. Tu peux m'écharboter de bisingue comme une panosse autant que tu veux. Viens dans ma balmette à l'abri du biseulet, je te dirai des fanfiournes. Marmotte, ici Bouquetin. Marmotte, ici Bouquetin. Vous recevez? Bouquetin, ici Marmotte. Je vous reçois. Pile sur poil. On a un accident sur la piste des marmottes. Roger, on arrive. Alors, c'est où? Par là! On a une cheville foulée! Mais la fille prétend que ça date d'avant, j'y comprends rien! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu m'as dit que je pouvais me balader, alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis baladée, voilà. Formidable!
viens te mettre en chasse-neige. Et chasse-neige, Lou, c'est pas compliqué. Les skis comme ça. N'oublie pas, Lou, mets-toi en chasse-neige. J'étais presque, non? Non. Honnêtement, je sais pas comment t'expliquer pour que tu y arrives. Tu me trouves nulle, c'est ça? Tu penses que j'y arriverai jamais? Non, c'est sans doute que je suis pas un très bon professeur. T'inquiète pas, j'ai une solution. Pour vous arrêter sans tomber poum sur vos fesses, vous devez mettre vos skis comme ça, en chasse-neige. Vous avez compris, les ptios? Oui, Hubert. Allez, c'est parti, le premier arrivé gagne une sucette. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a pas peur. Mais le ski, c'est vraiment pas son truc. Elle n'y arrivera jamais. C'est bien ce que je craignais. Oh non! Chaque année, c'est la même chose. Maman succombe à la magie de Noël. Elle retombe en enfance et du coup, ben, elle fait des tas de trucs idiots. Il y a 3 ans, elle a voulu illuminer le sapin avec des bougies. Quand le pompier est arrivé, il nous a bien fait savoir que c'était pas une bonne idée. Et il y a 2 ans, elle s'est déguisée en Père Noël pour me faire une surprise. C'est au niveau du 3e étage qu'elle s'est souvenue qu'elle est parfois sujette au vertige. Le truc sympa, c'est que le pompier commence à nous connaître. L'an dernier, elle a voulu qu'on fasse un réveillon original sous la neige. Qui était vraiment original, c'est la porte qui s'est coincée. Il faisait au moins -10 et tous les gens de l'immeuble étaient partis en vacances, même Madame Schurm. Franchement, je sais pas ce que maman ferait sans les pompiers. Hein. Alors, cette année, on va faire dans le simple, dans le classique, on va essayer de passer un bon Noël. Allez, on récapitule. Qu'est-ce que tu dois faire? Acheter la dinde à la boucherie, les marrons chez le traiteur, une bûche chez le pâtissier et un beau sapin. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Je ne dois pas me laisser envoûter par la magie de Noël. Bien! Tu es sûre que tu vas y arriver? Mais oui, t'inquiète pas. Allez, on se retrouve à la maison. Ok. À toutes! Achetez la dinde. Achetez la dinde. Achetez la dinde. Achetez la dinde. La dinde. Achetez-la. Achetez la dinde. Achetez-la. Merci et joyeux Noël! Au prix où on est payé, ça m'étonnerait. Regarde, Robert, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Le nouveau livre du docteur Johnson. Optimiser la communication dans le couple. Je te préviens, si tu me l'offres, je te parlerai plus jamais de ma vie. Eh bien, pas la peine de t'inquiéter. De toute façon, je ne te ferai pas de cadeau. Ah oui, eh bien, mon avocat non plus. Hey, salut, Mina. Salut. Papa, maman, si ça vous ennuie pas, je vais faire mes achats avec Lou. Rendez-vous à la maison. Ben alors, qu'est-ce qui va pas? Mes parents vont divorcer. Ah,
Ben, dis donc, c'est pas cool du tout, ça. Je vais sans doute vivre avec ma mère. Du coup, je verrai plus mon père tous les jours. Va falloir qu'on s'organise. C'est vraiment le pire Noël de toute ma vie. Je ne vois qu'une chose à dire. Chocolat chaud. Waouh, délire. Maman. Et les courses, alors? Je ne fais que ça. D'ailleurs, là, j'étais juste en train de... Comment dire? De me documenter pour la déco de... des sapins, quoi. Ouais. Sinon, la boucherie, c'est par là. Bien, je rentre à la maison avec Mila. Waouh! Tu sais, je me sens un peu bête. Je te parle de mon père qui va me manquer alors que toi, tu ne connais même pas le tien. Au moins, comme ça, d'une certaine façon, il risque pas de me manquer, tu vois. Dis-moi, comment... Tu ne m'as jamais vraiment raconté ta naissance. Ben, c'était il y a longtemps. À cette époque, les téléphones portables n'existaient même pas. Ma mère avait 15 ans et c'était pas la super ambiance avec ses parents. Elle se sentait incomprise. Dure. Ben, elle n'était pas très heureuse, quoi. Mais un jour, sur le chemin du collège, tout a basculé. C'était la nouvelle la plus fracassante depuis l'invention de la machine à coudre. Les Rock Dogs faisaient un concert à la salle polyvalente de Mortebouze. Waouh! Espèce de gros clébard, j'avais confiance en toi. Fallait tôt ou tard, t'abuses de moi. T'étonnes pas gros clébard, maintenant chaque fois que je te vois, et bien j'aboie. C'est scientifiquement prouvé. Les grandes histoires d'amour commencent toujours en chanson. La mouette trouve sa mouette, le goéland sa goélette. La vache trouve son taureau, la tourterelle son tourtereau. C'est quoi cette musique de sauvage? Vous le yéyé, vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Et toi, retourne immédiatement au lycée. Je connais pas tous les détails de l'histoire, mais en gros, maman n'a pas trop suivi les conseils de sa mère. Du coup, ils sont partis habiter en ville tous les deux. Et après? Pause, je nous prépare un chocolat chaud. Attention, on ne bouge plus. Et voilà. Au suivant. Et s'il vous plaît. Regarde, là, Super Dario. Où ça? Et comment ça s'est passé après? Vas-y, raconte. Attends, ça arrive. Une fois partie de Mortebouze, maman a pu enfin réaliser la vie de ses rêves. Waouh! Ils avaient déniché un vrai nid douillet pour amoureux. Ils arrivaient à vivre grâce à la musique. C'était vraiment la belle vie. Mais un jour, maman a découvert qu'elle attendait un bébé. Waouh! Le problème, c'est que l'amoureux de maman, il se sentait pas prêt à être papa. C'était la fin d'une belle histoire d'amour. Maman se sentait un peu seule, mais pour rien au monde, elle ne serait revenue à Mortebouze pour entendre mon papy la traiter de... Grosse paresseuse! Ou ma mamie lui criait dans les oreilles qu'elle n'était qu'une... Bonne à rien! Du coup, elle a pris son courage à deux mains. Indomptable Amanda, salle numéro 2. Une mini-frite, un maxi-cola et un mouse-burger, 15,80. C'est simple comme tout. Une fonction continue qui est strictement croissante sur un intervalle AB est telle que f de A soit inférieur à Y et f de B soit supérieur. En même temps que ses petits boulots, maman a repris ses études. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Mais elle l'a fait. Et elle a appris qu'elle avait eu son bac le jour de ma naissance. Ah, trop forte. Ouais. Allez, une petite dernière. Vous êtes sûr? Ça fait quand même la 28e. Allez quoi, c'est Noël. Justement.
Écoutez, il est bientôt 19h30, alors faites ce que vous voulez, mais moi, je rentre. Et où? En traîneau au pôle Nord? Non, chez moi. Rue du Général Bruges. Mes enfants m'attendent pour le réveillon. Zut, 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 zut! Le réveillon, la dinde! Oh! Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle a continué ses petits boulots. La chevauchée des morts vivants, salle numéro 1. Alors, une maxi frite, un mini cola et un double micmac, 13,50. Commençons par le vocabulaire de base. Merci se dit thank you. Et beaucoup filet. Maman a poursuivi ses études à la fac. Et elle a réussi à décrocher un diplôme de lettres avec une spécialisation en langue sildave. Filet dunké. Ensuite, elle a réussi à trouver du boulot comme traductrice, ce qui nous a permis d'emménager ici. Waouh! Bref, tu vois, maman et moi, on s'en est bien sortis. Même sans papa. C'est clair. Toi aussi, tu vas t'en sortir, t'en fais pas. Merci. Alors, prête à rentrer chez toi fêter Noël? Des sapins de Noël? Ah, il ne me reste qu'un Picea abies. Il est cher, mais il arrive directement des forêts de Transylvanie et il sent bon le sapin d'antan. Ça marche. Ne me dis pas que tu as oublié de faire les courses. Non, j'ai des maquereaux en boîte, du hachis parmentier et des biscottes sans sel. Et surtout, j'ai un sapin exceptionnel. Et voilà. Oh. Ok, il lui manque quelques épines, mais il sent bon le sapin d'antan, non? Thank you.
où j'ai parlé à Tristan pour la première fois, il a plu toute la journée. Ma robe ressemblait plus à rien, mes cheveux non plus d'ailleurs. J'étais trempée jusqu'aux os. Mais c'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Quand il m'a donné son numéro de téléphone portable, j'avais les mains toutes moites. Heureusement, tout s'est bien passé. La honte, sinon, quand on échange son numéro de téléphone, c'est un peu comme un mariage, non? Et maintenant, tu comptes t'en servir ou tu vas l'exposer dans un musée? Ben oui, y a pas le feu non plus. Et puis, c'est pas à moi de l'appeler en premier, hein. Je suis une fille, ça ferait trop, quoi. Eh ben, trouve un prétexte pour l'appeler, alors. Un truc qui fasse pas trop, comme tu dis. Je sais, il aime la musique. Je vais lui laisser un message musical. Ah ouais, ce sera hyper romantique. Main? Ouais, on arrive. Ta mère dîne avec nous. Quoi? Ne t'inquiète pas, Mina chérie, je ne suis pas venue pour te ruiner la soirée. En revanche, ton père, lui, n'a pas hésité à gâcher la mienne. Vous vous êtes disputée, c'est ça? Non, ton père a eu la gentillesse de me dire que j'étais une psycho-rigide maniaque de l'organisation. J'ai donc décidé de prendre du recul pour réfléchir à cette pertinente remarque. Ouais, ok, c'est bien ce que je dis, vous vous êtes disputée. Bon, je voulais préparer un bœuf bourguignon, mais je n'avais ni bœuf ni bourguignon. Alors, c'est spaghetti party. Ouais! Oh, des spaghettis, comme c'est amusant. Robert n'a aucun sens de l'organisation. Imagine, il refuse de ranger ses vêtements par ordre alphabétique. Dingue. C'est comme pour les placards de notre cuisine. Figure-toi qu'il met toujours tout en vrac. Chez toi, je suis sûre que c'est hyper bien rangé, hein? Ouais. C'est pas ça non plus. Oui. En fait, niveau organisation, je suis pas très bonne. C'est étonnant. Mais alors, comment fais-tu pour écrire efficacement ton roman? C'est-à-dire que j'écris pas très efficacement, justement. Ne m'en dis pas plus. Je sais ce qu'il te faut pour retrouver ton énergie. Des nouveaux jeux vidéo? Non, un coach. Choix de la chanson. Alors là, attention, s'agit de pas se tromper. Voyons, le téléphone sonne de Jean-Jacques François. Oublie, c'est un vieux disque de ma grand-mère. Attends, Stacy G, j'ai grave besoin d'amour. Mais t'es dingue ou quoi? C'est trop clair comme message. Oh! Bon, alors... ça y est, j'ai trouvé. Écoute-moi cette merveille. Oh. Bouffi! Les jeux vidéo avant de dormir favorisent les troubles du sommeil. Mais pas de discussion. Allez, hop, au lit. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son coach? Pitié? Non, on lui dit merci de veiller sur mon précieux sommeil. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je t'attends à la cuisine. Oh! Petit déjeuner macrobiotique, c'est parfait pour l'inspiration. Tofu au céleri, pain au céleri et fromage blanc. Au céleri? Non, nature. Tu as 5 minutes pour manger. Enfin, là, tu n'as plus que 4 minutes 35. Au programme, tu écris de 7h à midi, 2 pages par heure, avec une petite pause de 5 minutes à 10h. Je ne suis pas un bourreau tout de même. Allez! Et médite cette pensée de Maître Kato. Ne gagne pas après avoir frappé, mais frappe après avoir gagné. Prête? Prête. Hey, salut, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou. Tu sais, la fille sous la pluie, là, tu te souviens? En fait, j'ai découvert une chanson géniale que j'aime bien et je voulais te la faire écouter, quoi. Hier soir, je suis tombée dans le fumier. Et c'est pour ça que je voyais plus mes pieds. C'est pas vrai! Mais quelle croûte débile, ce chat! Hier soir, je suis tombée dans le fumier. Votre message a bien été enregistré. Vous pouvez raccrocher. Non!
Lou, je t'en prie, sors de cette malle. Non, plus jamais. Tristan n'a pas pu écouter ton message à cette heure-ci, il est encore au water polo. Alors on va aller à la piscine, récupérer son portable et effacer le message. Ni vu, ni connu. Tu crois? Ça y est, il est là, je le vois. Oh là là là, il est trop beau avec son bonnet. Regarde plutôt son poignet, voir s'il a sa clé de vestiaire. Ben, il bouge tout le temps les bras, c'est pas évident. Hein. Pff, en tout cas, je vois pas de clé. Laisse tomber, ça sert à rien. Attends, il l'a peut-être laissé sur les gradins, avec sa serviette, par exemple. Pff, je vois rien d'ici, il faudrait que j'aille au bord du bassin, mais il va me reconnaître. Bah, pas forcément. Hein? Alors dites donc, faut pas vous gêner. Non, mais c'est parce que on avait besoin pour la clé. Enfin, je veux dire, je pouvais pas. Désolée, madame. Vous là, mon casier, faut pas vous gêner. Comment ça, votre casier? Casier numéro 9? Ah, ben oui, je me suis trompée. Tenez, redésolée. Bande de jeunes, va. Je vais au marché bio. On va manquer de céleri. Dommage pour toi, il manque les piles. Oh hein? J'ai pris les dés, c'est pas l'heure du tripot. Au boulot. Oh ah. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 9h47. Tapez 1 pour rappeler votre correspondant. Oh, Lou, ils ont fini de jouer. Faut aller remettre la clé sur la serviette de Tristan. Allez, grouille. Nous n'avons pas compris votre demande. Tapez 1 pour rappeler. Nous n'avons pas compris votre demande. Encore vous? Non mais, vous allez me laisser tranquille à la fin. Rendez-moi ma serviette. C'est moi. Je t'ai ramené du céleri et plein d'autres choses hyper saines. Tu as fini tes pages? Je peux les lire? Je t'en prie. Tout va bien, Joss 41? Affirmatif, réorganisation du vaisseau achevée. Parfait, on va passer en vitesse lumière. Allons-y. J'ai pris la liberté de réorganiser le tableau de bord. Pour enclencher la vitesse lumière, il faut désormais utiliser le levier du pilotage automatique. Pour lancer le bouclier à neutrons, il faut se servir des manettes des moteurs auxiliaires. Le système de reconnaissance spatiale se trouve... Sympa. Je fais tout pour t'aider, et c'est comme ça que tu me vois, comme un insupportable robot que tu largues dans l'espace. Non, enfin, je veux dire... Oui, bah quoi, reconnais que parfois t'es un poil maniaque, non? Heureusement qu'il y a des maniaques comme moi pour assister des adolescentes attardées comme toi. Et heureusement qu'elles sont là pour t'héberger, les ados attardés. Franchement, j'ai rarement passé une aussi mauvaise journée. C'est lui? Qu'est-ce que je fais? Bah, vas-y, décroche! Allô? Ah, tiens, salut! Mon message? Ah bon? Ah, génial! Oui, c'est sûr. Ok, bye!
C'est fou, il a eu mon message et il l'a trouvé rigolo. Ah, tu te rends compte? Il m'a trouvé drôle, oh, c'est magnifique. Attends, tu crois qu'il me voit comme la bonne copine rigolote? Non. Si, 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 c'est ça, je l'ai bien senti à son intonation de voix. En fait, je passe pour le clown de service, quoi. Stop, cette fois, ça c'est... Tu vas l'appeler, lui faire écouter ta chanson et basta, ok? Ok. Coucou. Ça va? Tu fais quoi? Rien, je... ben... rien. C'est quoi ces gommettes? C'est un petit classement avec des indices de couleurs. Bleu pour les jeux vidéo de combat, vert pour les jeux de sport et rouge pour les jeux de stratégie. Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule gommette rouge. Ok, je suis peut-être un petit peu maniaque. Et moi, je suis peut-être un petit peu désordonnée. Désolée de m'être fâchée contre toi. Oh, désolée aussi. Au fond, t'es un bon coach. D'ailleurs, j'ai réussi à écrire mes pages. Mais faut pas trop te mettre la pression, si j'ai bien compris. T'es prêt? Oui. J'y vais. Écoute. Encore en train de faire un sondage? Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu veux savoir combien je mange de kilos de coquillettes par mois? Ou si je me lave les dents plutôt avant ou plutôt après avoir pris ma douche? Non, je veux juste savoir si tu sais jouer au poker. Ah! Ben oui! À vrai dire, j'ai même déjà remporté plusieurs grands tournois. On m'appelait la reine du tapis vert. Mais c'est génial! Alors ça te dirait de venir chez moi faire une petite partie ce soir? Désolée, mais non. Ben pourquoi? En fait, il y a quelques années, pendant la finale du Régional Poker Tour, j'avais misé gros, très gros, mais j'avais un jeu de rêve. Tout allait bien, tu vois? Carré de roi. Quinte flush. Un truc de dingue. Et depuis cette journée noire, ma chance a tourné. Belote, rebelote et 10 de dame, mamma mia! Rami sec. Famille! J'ai la poisse aux cartes. Oui, et du coup, j'ai fait le serment de ne plus y jouer, parce que les cartes ne m'aiment plus. Bon, bah écoute, si jamais tu changes d'avis, rendez-vous à 20h chez moi, ok? Compte pas sur moi! Waouh! Je rêverais trop d'être à ta place. T'as vraiment du bol de partir aux Seychelles. Ta valise est prête? T'as ton maillot de bain, ton pareo et ta crème solaire? Ouais, j'ai tout. Sauf mon père. Le divorce est prononcé. Du coup, il déménage pendant ses vacances et je pars seule avec ma mère. C'est sympa quand même. Si tu aimes te lever à 4h du matin et faire du sport toute la journée, alors... Ah, oui, je vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner lamentablement en pensant à Tristan? Non, je vais traîner joyeusement avec Tristan, figure-toi. Il reste en ville, et moi aussi. Pour résumer... Yeah! C'est carrément génial! Comme tu dis. D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous chez lui. Il paraît qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer. Je vais m'éclater au ski, à Val des Nazes. Quoi?
C'est ça ta grande nouvelle? Oui, je pars avec mon oncle. C'est chouette, hein? J'avais tellement peur de passer toute la semaine à traîner ici. Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi aussi, je pars au ski, finalement. Ah bon? Où? Eh ben, à Val de... là, oh. Enfin, comme toi, quoi. Tu vas à Val des Nazes? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas croyable! Ouais, pas croyable. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un grand bol d'air pur pendant les vacances? Tu veux aller à Mortebouze? J'ai pas dit un grand bol de puanteur de bouse de vache. Non, je pensais plutôt à un séjour à la mer ou... Oh, à la montagne! À la montagne? Ben oui, l'air est super pur là-bas. Ben... Génial! Je savais que tu serais d'accord. Bon, ben je file à l'agence de voyage. Bisous! Vous avez de la chance. Il me reste deux places au Majestic Bouquetin de Val des Nazes. Voyage en première classe avec Continental Breakfast, un lit king size, matériel de ski et accès à l'espace détente compris. Magnifique. Et c'est combien? 3 200 €. Quoi? Pour deux? Par personne. Et hors taxe, évidemment. Et en voyageant en seconde classe, en dormant par terre, en retirant le matériel de ski, la piscine et les petits déjeuners? T'as fait vite? Alors? Alors, on s'y prend trop tard. À Val des Nazes, il reste des places que pour la reine d'Angleterre. Et encore. Val des Nazes? C'est marrant. Je me demande si Richard n'a pas justement grandi dans ce coin-là. Ah bon? Salut, Lou. Salut! Une petite question. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais d'emmener deux superbes filles dans le petit village de ton enfance pendant les vacances, hein? Je dirais... non, pas question. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y remettre les pieds. Désolée. Allô? Lou, c'est moi. Je te dérange pas? Ben, non, pas du tout. Ça te dirait qu'on aille réserver nos billets ensemble? Comme ça, on serait dans le même train. Tu les as déjà, c'est ça? Non. Alors viens, je t'attends. Un petit problème, ma louloute? Non, un gros. Raconte. Ben, Tristan part à Val des Nazes et moi je lui ai dit que j'y allais aussi. Mais bon, là, comme on part pas, il faut que je lui dise la vérité. Tu as vraiment envie de passer tes vacances avec Tristan, hein? Est-ce que Rose avait envie de rester avec Jack dans Titanic? Ok. Alors attends un peu avant de lui dire la vérité. J'ai peut-être une idée pour dégoter de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bluffer. J'ai changé d'avis. Il reste une petite place pour moi? Mais bien sûr, entre. Ah, Lou, super. Allez, viens. On va tout de suite faire les réservations. Attends. T'as pas quelque chose à manger d'abord? Je prends jamais mes places de train le ventre vide. Ah bon? Pourquoi? Ben, ça apporte malheur, tu vois. Vous allez mordre la poussière. En Algérie, on m'appelait la terreur de Tanger. Mais, Tanger, c'est au Maroc? Pas toujours. Et voilà. Bon, j'imagine qu'on part sur un poker fermé. La cave est à combien? 100 jetons. Parfait. Et la valeur du jeton? Rien du tout. On joue pour l'hiver, quoi. Oh. Quoi? Comme à Tanger, juste pour la gloire. Non. Alors, t'as des bonnes nouvelles? Non, pour l'instant, c'est râpé. Sauf si l'hôtel de Val des Nazes accepte d'être payé avec des jetons. Salut tout le monde. Il y a une petite place pour moi? Évidemment, vous connaissez Tristan. Attends, il reste peut-être une chance. Gagne encore du temps avec Tristan, je te rappelle. Bon, on y va maintenant? Attends, et si on faisait un petit duel à Super Dario avant? Et les billets de train? Si on lambine trop, on n'aura plus de place. Je me suis drôlement améliorée. Si ça se trouve, je te bats. Ah ouais?
Madame Schum, à vous de parler. Je crois que je vais prendre un trèfle. Madame Schum, on joue au poker, pas à la belote. Sans blague. Rappelez-moi un peu les règles pour voir. Eh bien, on va tous miser des jetons et le but du jeu est d'obtenir la meilleure combinaison de 5 cartes pour rafler l'ensemble des mises. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué. Vous ne préféreriez pas jouer à la belote? Paire de rois et paire de 8. Minute, papillon. J'ai une couleur à carreaux. Au valet. Yeah, ma chance est revenue, ouais. Bien joué. Que dirais-tu d'une mise un peu différente? Par exemple, un petit séjour au ski. Si je gagne, tu nous emmènes dans ton village avec Lou. Et si je gagne? Ben, tu décideras ce que tu veux. D'accord. Attention, la mouette! La mouette! Le saut de ciment! Accélère! Dépêche! Vite, vite! Tu vas louper la poutre! C'est ça que t'appelles t'être amélioré? T'es pas fichu de passer le niveau 1 du troisième monde? Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Allez, on va prendre nos billets? Non, attends! Toi qui es si fort, montre-moi ce que tu sais faire! Mais là, je suis au bord du gouffre. Hein. Tristan a bientôt terminé sa partie. Quitte pas. Carré de roi. Quinte flush. J'ai gagné. Désolée, ma louloute. On ne part pas. Tu sais, Tristan, eh ben, je... Comment dire Faut que je t'avoue quelque chose. Une seconde. Oh, oui, j'ai passé le précipice de cristal. Allez, vas-y, toi, prends ça. Hé, attends. Tu oublies un détail. J'ai gagné. Et j'ai déjà choisi ma récompense. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que toi et Lou veniez passer ces vacances dans mon village avec moi. Mais je croyais que... J'ai changé d'avis. On dirait que ma chance a vraiment tourné, hein? Peut-être bien que oui. Et puis, de toute façon, tu sais ce qu'on dit. Malheureux au jeu, heureux en amour. Yes! Et voilà le travail. Tu voulais me dire un truc? Oui, je... Je pars pas à Valdenaz. Quoi? Non, en fait, je pars à Superchevel, dans le village de mon voisin Richard. Superchevel, génial! C'est la station juste à côté, et c'est le même train qui y va. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On réserve nos places ou quoi? Et la combinaison la plus forte, c'est la quinte flush royale. 5 cartes qui se suivent de couleurs identiques jusqu'à l'as, imbattable. Quinte flush? Ok. C'est bon? Vous avez tout compris cette fois? Impeccable. Le poker n'a plus de secret pour moi. Alors on y va. Au fait, c'est quoi l'atout déjà? Oh, ben quoi? Oh, quoi?